Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Et on commence direct dans le vif du sujet avec une livraison. On va livrer des blocs de marbre. On est en train de partir de la Corse pour aller directement, je vais vous montrer, en Italie, à la pointe de la botte, et j'ai envie de vous dire, à Catanzaro. Voilà, tout simplement, on va passer par ici. Alors, je ne sais plus c'est quoi cette petite île. Je vous parlerai tout à l'heure, à la fin de cette mission, de tout ce que j'ai fait en off. Vraiment, vous allez voir, j'ai masse pognon et on va trop se faire plaisir. Est-ce que on peut acheter un garage ici à Ajaccio? Oui, c'est sur le chemin. Les gars, ça, c'est un garage. On va passer par là et on va s'acheter un garage à Ajaccio. Je vais également vous expliquer pourquoi. J'ai assez d'argent. On va en discuter, les amis. Je suis beaucoup trop content de ce qui se passe. Bah, déjà, vous voyez l'argent que j'ai. J'ai 215 000 euros. Bref, c'est incroyable. On est parti, les amis, directement. J'ai le frein de parking, je me disais bien. Hop, j'ai plein de trucs à régler. Par contre, je ne sais pas par où il faut passer. Donc, j'imagine... que ça va être par là, qu'il suffira de suivre la route. Les gars, j'ai fait donc plein de missions en off, ok. Je me suis éclaté comme jamais et j'ai roulé comme je n'ai jamais roulé RP, je vous jure. Bah, comme dans la dernière vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que je tourne cette vidéo en ayant vu les retours sur la vidéo de lundi, celle où j'étais un peu énervé. Mais j'ai pas encore vu vos retours sur celle de mercredi. Et ça, c'est cool. Alors, vous voyez, comme ça bouge là, vous avez vu comment ça bouge. Ça, c'est aussi le nouveau mode que j'ai installé du coup. Realistic Truck Physique Mode. C'est incroyable, incroyable. Et ça donne juste envie de rouler encore plus RP que tu ne l'as roulé. C'est juste incroyable, vraiment. Ça fait trop, trop, trop plaisir. Attends, merde, il y a une voiture. Pardon, excuse-moi, madame. C'était forcément une femme, une petite voiture rouge comme ça. Je rigole, les gars. Donc, bref, les gars, excellent. Et donc, j'ai fait plein de routes en off. J'ai découvert énormément de routes et de pays. Je vous montrerai donc après ce trajet et cette livraison. Sachez que, les gars, j'ai transporté un énorme, mon premier énorme. Comment ça s'appelle ? Une grande remorque. Je vous mets des screenshots maintenant au montage. Voilà, ce truc là, j'ai transporté ça, les gars, et j'en suis trop content parce que ça s'est super bien passé, d'accord. J'ai vraiment géré, c'est pas pour faire le mec, j'ai vraiment géré et c'était trop bien. Et j'ai hâte de faire ça en vidéo, d'avoir des grandes cargaisons comme ça. Et c'est pour ça que pour le moment, en vrai, j'ai pas envie de m'acheter ma propre remorque, pour la simple et bonne raison que... Mince, pardon. Pour la simple et bonne raison que j'aime trop découvrir des nouveaux camions, découvrir des nouvelles remorques, avoir différentes cargaisons, tu vois. Donc vraiment, c'est pour ça que j'achète pas de remorque moi-même encore. Ça sert à rien, voilà. Pourquoi je vais acheter donc un garage à Ajaccio? Eh bien, pour la simple et bonne raison que, comme vous me l'aviez dit, tout simplement, regardez, ces routes sont incroyables. Vraiment, j'ai découvert des routes incroyables. Et aujourd'hui, en roulant en Corse et sur l'île qui est juste en dessous, on va encore bien s'amuser sur les routes, c'est incroyable. Oui, eh bien, vous me l'avez dit, quand on a 3 garages, eh bien, à partir de là, on pourra acheter en ligne les garages. Et ça, c'est top. Parce que clairement, ça va être l'objectif par la suite, c'est de pouvoir acheter les garages en ligne. Ce qui va nous permettre... Eh ben, très facilement de pouvoir se téléporter où on veut et évidemment avoir plus de camions, plus d'employés. Ça va être vraiment trop trop bien. Voilà, je vous le dis, c'est beaucoup trop trop bien et je kiffe cette aventure de plus en plus. Bonjour la police. Voilà, je kiffe cette route là. Vraiment, je l'ai empruntée en off et elle est incroyable. Bon, il y en a qui sont encore plus incroyables et c'est vraiment du génie. Au moment où je fais cette vidéo, ça y est, Truckers MP est enfin mis à jour. Donc la semaine prochaine, je pense que je ferai du Truckers MP, du multijoueur. Je vous promets rien parce que vraiment, je suis tellement fan du solo que c'est même pas sûr que je fasse du Truckers MP. En tout cas, si je le fais, ce sera probablement en live. Comme ça, l'affaire est réglée, d'accord? On verra. Je vous promets rien, je préfère rien vous promettre. Bref, les amis, merci pour vos retours sur la vidéo de lundi. Comme dit, j'étais vraiment à cran. Donc déjà que ça vous a plu. Enfin, ça vous a plu. Vous avez quand même... J'ai pas reçu de critique ou quoi. Eh les gars, désolé les gars, je passe. Hein. Donc j'imagine même pas vos retours sur la vidéo de mercredi où j'ai vraiment, je trouve, bien géré. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. On est vraiment très très bien. Ouais, donc cette route-là, je l'avais découvert en off puisque à ce rond-point-là, il y avait eu un accident. Un accident entre deux camions, c'était même pas moi, d'accord. Moi, je suis arrivé et il y avait tout un bouchon et j'étais dans le caca parce que je pouvais pas passer. Il y avait tout qui bouchonnait et je ne sais pas comment l'intelligence artificielle a fait pour faire ça. Mais voilà, c'était vraiment le caca et moi j'ai dû un petit peu me faufiler, etc. Bref, incroyable. Je vous montrerai, les amis, vraiment sur la carte tout à l'heure comment ça s'est passé. Bon là, évidemment, je voulais faire ça RP. J'aimerais bien faire ça RP et ne pas le doubler là. Mais ça va être compliqué là, il est un petit peu relou là, le monsieur devant là. Monsieur, c'est 90 ici, on roule là, s'il vous plaît.
Bref, et ouais, donc pour vous dire un petit peu mon ressenti, donc la première fois voilà que j'ai roulé la grande remorque dont je vous ai montré les screenshots, donc en gros, il y a une remorque qui est derrière toi qui elle-même est attachée à une autre remorque, genre comme une chenille, tu vois. Et c'est beaucoup trop casse-couille. Ah bah, tu vois, je peux même pas le doubler, bah super. C'est vraiment trop bien. J'ai bon espoir qu'il se rabatte. Ce serait vraiment cool. Ah, parfait. C'est vraiment trop bien. Je vous jure que j'ai super bien roulé. Et parce que le fait que la remorque derrière suive vraiment la trajectoire. Enfin, bref, tu peux prendre large comme il faut, mais. Et ça passe. Genre, c'est trop bien. Vraiment, j'ai trop kiffé cette expérience et j'ai hâte de refaire ça. Et notamment en vidéo pour que vous voyez un petit peu comment je me débrouille. En plus, j'avais eu de la chance parce que niveau manœuvre, j'avais pas grand chose à faire. Donc, ça, c'est vraiment cool. On arrive à un rond-point là, si je dis pas de bêtises. En effet. Donc, on va se calmer direct. Hop, voilà, et on rentre à Ajaccio. Voilà, ça fait plaisir. On va se prendre un petit garage à Ajaccio. J'ai donc assez d'argent. Voilà. Non, mais vous inquiétez pas. C'était calculé. En fait, je vous explique. Je l'ai pas vu venir. Voilà, pas compliqué. Je ne l'ai pas vu venir et je m'en excuse. Les gars, s'il vous plaît, on n'a rien vu. Merde, qu'est-ce que je fais? J'ai encore des petits problèmes avec mes vitesses. Voilà. On a. Rien vu, vraiment. En plus, j'ai eu aucun accrochage, tout s'est bien passé, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Non, mais des fois, l'intelligence artificielle, ils te font croire des choses et voilà. Je cherche des excuses, oui. Ah, cette route, on l'a pas encore empruntée. Voilà, là, pareil, on la découvre. Et franchement, la Corse est incroyable. Et ah, c'est la Sardaigne, l'île d'en dessous, si je dis pas de bêtises, c'est la Sardaigne. Non, je dis de la merde, je sais pas, mais si c'est ça, je suis un beau gosse. Mais pareil, la Sardaigne, enfin, si c'est ça, c'est incroyable. Et on va y passer, et ça, c'est cool. Là, on va vraiment faire attention cette fois-ci, voilà, on va pas faire les cons pour cette fois. Alors je sais que normalement faut prendre grave l'extérieur, mais qu'est-ce qu'ils nous font là devant? On peur hein. On peur de ouf. Voilà, direction Ajaccio. World of Truck, j'adore les panneaux et tout. J'avais vu aussi qu'il y avait American Truck Simulator. Ils se font leur promo et tout. Ils ont bien raison. Hop, on va se calmer direct. Ok, on va un peu découvrir parce que c'est vrai, on n'est pas encore rentré dans Ajaccio si je dis pas de bêtises. Hein. Là, c'est vraiment de la découverte. Allez, là, on va bien le faire. Oh, Carrefour, regardez Carrefour. Ça me choque de voir Carrefour. C'est du génie. Allez. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il fait maussade, hein. C'est vrai qu'on a commencé la vidéo, il pleuvait. Là, maintenant, il pleut plus. Alors, les gars, écoutez. C'est pas mal, mais encore s'il ne pleut pas, voyons, il fait tout le temps beau. Non, mais voilà, incroyable et tout. Mais franchement, vous trouvez pas vraiment qu'il y a une de ces améliorations? Vraiment, même là, je suis tranquille, j'arrive à vous parler sans trop faire de bêtises. Ok, au rond-point, j'ai fait du caca avant, mais voilà, excusez-moi. Ah, je reste un humain tout de même. Hein. Voilà, on a 25 heures de route, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on a la traversée de la mer. Hein. Ouah, ça faisait longtemps les palmiers, ouais. C'est trop bien les palmiers. Hop, ouais, j'ai pas très bien anticipé, je vous l'accorde. Ah bah regardez, l'autre il laisse la priorité. Vas-y passe, hein, c'est toi qui es prioritaire. Hein. Voilà. Ils ont raison de se méfier. Allez, j'y vais. Ouais non, là faut plus se foutre de... Voilà, en plus c'est bon, il sort. Donc ça, c'est nickel. Hop. Eh bah les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. N'oubliez pas le petit pause bleu. Et voilà, merci... Oh putain, je suis relou, je pense. Hein. Je suis relou, mais allez, ça mange pas de pain de vous remercier. Franchement, ça mange pas de pain et je pense que c'est la moindre des choses. C'est pas tout le monde qui remercie ses abonnés. Voilà, c'est pas pour foutre la merde non plus, mais voilà. Non, mais franchement, merci d'être là, les gars, à suivre cette série et tout. C'est incroyable. Et voilà, ça y est, on va pouvoir, les amis, on va pouvoir s'acheter notre dernier garage avant de pouvoir acheter en ligne. Et puis surtout que un garage en Corse, franchement, c'est super sympa. C'est super sympa. Hop, on se met là. On va pas faire la même erreur que l'autre fois, on met le frein de parking et on achète à 180 000 euros. Alors, un peu dégoûté parce que, du coup, tout l'argent que j'ai gagné, tout part d'un coup, alors que j'avais d'autres projets. Vraiment, je voulais customiser mon camion et faire ça en vidéo, tu vois. Bah, ce sera pas pour le moment, mais au moins, on a un garage, c'est terminé, c'est carré. Maintenant, on pourra acheter en ligne quoi qu'il arrive et c'est super, voilà. C'est le plus important. Il va nous rester combien, là? Il va nous rester combien? Ah ouais, 35 000, c'est pas énorme. Et là, j'ai reçu un nouvel email. Alors les gars, j'ai quand même envie d'aller regarder parce que bon, c'est pas qu'on a le time, mais un petit peu. Cherchez-vous à agrandir votre entreprise. Nous tenons à vous féliciter pour les résultats. Nous sommes impressionnés par le succès de votre société. Oh bah merci beaucoup, ça. Désormais, vous pouvez utiliser les services pour acheter nos nouvelles propriétés presque instantanément.
Voilà, bon, c'est ce que vous avez dit donc pour acheter en ligne globalement. Et ils aiment bien faire compliqué. Hein. Ah, ils aiment bien faire compliqué. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va se permettre un demi-tour à l'intérieur même de notre nouveau garage, puisque maintenant il est à nous les gars. Donc regardez, on est chez nous les gars ici. Donc on va faire un petit room tour. Bienvenue chez moi. Hop, voilà. C'est dit, c'est fait. C'est bon, j'espère que vous avez apprécié la visite. Et nous, on ressort de ce pas. Incroyable. Quel bonheur, quel plaisir. Ah, il n'y a pas de station essence là dans mon garage. Ah non, faut l'agrandir pour avoir une station essence, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble. Là, ça me paraît un petit peu curieux. Ok, alors, pas de voiture à gauche. C'est nickel. On regarde quand même, voilà, de l'autre côté de la route éventuellement, parce que comme je mange du terrain... Hop, et on est reparti direction l'Italie. Alors non, d'abord direction l'île d'en dessous. Je dis pas de bêtises. Oui, donc on aura deux traversées à faire. On aura deux traversées à faire si je dis pas de bêtises. Ça me paraît logique. Hop, et voilà les amis. On arrive au feu rouge, tel des beaux gosses. Hop, c'est carré, c'est réglé. Ah, attends, franchement, je pourrais, mais c'est ça, hein. Maintenant là je suis tellement bien, je suis bien installé, j'ai plus trop de problèmes, la qualité graphique est incroyable, les mods que j'ai ajoutés sont géniaux. Franchement les gars, je peux y jouer des heures là, vraiment. Des fois j'essaie de faire le compromis de est-ce que ce serait pas sérieux que je travaille. Attendez, hop, voilà. Vraiment c'est incroyable, là je mange pas, c'est bon. Ouais c'est bon, je fais chier personne, c'est le plus important. Et on est parti. C'est quand qu'il faut... Oh là, oh là gros, il me fait quoi lui? Il est sérieux là? Attends, mais je peux pas aller au feu directement là? C'est un peu chelou là ce qu'il me fait faire un peu, non? Trop bien. Il me fait faire découvrir des petites ruelles. Ah ouais, ça revenait au même. Ok, non mais je me suis dit peut-être que ça revenait pas au même, mais en vrai ça revient totalement au même. Ah ouais mec, tu me fais faire de ces trucs, t'es sérieux? Le feu est encore vert. Alors là il faut que je me mette là et que j'aille. Oh, il était vert gros. Eh, allez vous faire foutre vous hein. Non les gars, à un moment donné il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Le feu il était vert, il a pas pu passer à l'orange et au rouge si rapidement. C'est pas possible, je n'y crois pas. Franchement je n'y crois pas, c'est... Tout ceci est un mensonge, vraiment. Bon bah c'est parti hein, c'est pas grave. Une petite infraction qui fait toujours plaisir les gars. On va pouvoir prendre le bateau, c'est magnifique. J'adore. Je... Voilà, bienvenue dans Borat's Pizza, voilà. Bienvenue à Marseille. Hop. Pardon, n'importe quoi moi. Bienvenue à Ajaccio, excusez-moi. Hop. Oh là là, mais quel beau gosse, dites-moi. Ça va, je rigole. Hop. Et voilà. On est tout bon. Non, mais c'est la Sardaigne en vrai. L'île d'en dessous, si j'ai une bonne mémoire. Parce que vous me l'avez tellement dit. Et là, regardez, on va faire ça RP. Pas du tout. Je suis allé beaucoup trop vite, les gars. Non, mais voilà, tu vois, avec la Realistic Physique Mode, et eh ben ça donne vraiment envie de faire ça bien. Parce que tu sens que ça secoue dans tous les sens. Bon, là, en l'occurrence. Visiblement j'étais beaucoup trop rapide, mais à la sortie je serai plus doux. Voilà, direction donc ici, et puis après il faudra encore traverser pour... Donc là on va traverser toute l'île, et après on retraverse pour aller en Italie. Et voilà les amis, on est arrivé à Sassari, il est 21h donc on va un petit peu rouler de nuit, vous l'aurez compris. Et nous les gars, on est reparti directement. Et là cette fois-ci on va évidemment faire doucement à la descente du camion. Hop, tac tac tac, il y a un camion qui vient en face. Hop, ah non pas du tout, c'est la route. Voilà, tout en douceur. Bonjour messieurs. Nickel. Nickel, nickel, nickel. C'est magnifique. Oh, avec le soleil qui se couche là les gars, c'est génial. Et non là par contre les gars, là c'est, faut qu'on se fasse une miniature là les gars, si je puis me permettre les gars. Non franchement, vous m'en voudrez pas. Vous m'en voudrez pas, mais là il y a une miniature à faire. Vraiment. Alors par contre c'est très chiant. J'attends encore vos réponses. Pourquoi il y a ce chargement maintenant à chaque fois? Je veux faire un screen. Parce que ça fait dépop toutes les voitures, ça prend un temps fou. C'est vraiment, vraiment relou. Ça, voilà, c'est le petit coup de gueule. Comment ça se fait vraiment? Si vous savez, n'hésitez pas. Oh ouais, non, mais là, il y a un screenshot à faire. Ah, mais il n'y a plus de bateau en face, c'est nul. Enfin, si, il y a le bateau là-bas, mais... On peut faire ça. Ah, attendez. C'est original comme ça, regardez comme ça. Bam. Tac.
La force de flou, ça dégage. Là, ça tue un tout petit peu parce qu'il y a franchement assez de lumière. Et hop, voilà, petite rotation. Et là, les gars. Et là c'est carré. Là, c'est carré, je pense qu'on peut le dire. À mon avis, on aura l'occasion d'avoir de plus jolis décors à l'avenir. Mais déjà là, c'est vraiment super sympa. Allez, on s'arrache sur ce soleil couchant, pardon. Bonjour les pompiers, bonjour à vous. Et on est y part. Prenez la première sortie. Attends, c'était un camion français qu'on vient de voir. Parce que là, on est en Sardaigne, alors. C'est pas comme en France, normalement. Si, je sais pas, je connais pas, ça fait pas partie de la France. Je suis très nul en géographie, d'accord. Donc, vraiment, don't judge me challenge. On va tourner à droite. Apparemment, on est déjà passé par là. Ça me dit vraiment rien. Je m'en rappelle pas. Ah bah si, bah, hey, les gars, bah, j'ai fait ça en off normalement. Mais oui, j'ai fait ça en off dans l'autre sens, justement. C'est ça. C'est super sympa, franchement, vous allez voir. Bon, après, à chaque fois je dis ça, mais en vrai, je pense que 50% des viewers connaissent déjà. Mais c'est vrai que les 50% des autres ne connaissent pas, tu vois. Hop, là j'ai fait attention, vous inquiétez pas. Pas du tout. Donc là, je prends l'extérieur. Hop, je sors maintenant, monsieur. Voulez-vous coucher avec moi? Aucun rapport. Hop. Oui, monsieur. Ouais, j'ai cru qu'il y avait une voiture, j'avoue, j'ai un peu bugué. Voilà, là, de toute façon, le soleil se couche. En vrai, il y aura moins de monde sur la route. C'est pas mal, on pourra en profiter. J'ai rajouté aussi le mode... merde. J'ai rajouté aussi le mode... Mais il n'y a que des ronds-points, gros, c'est un truc de taré. Voilà. J'ai rajouté le mode No Flare Light, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pour la petite parenthèse, je reprécise. Enfin, je rajoute ça. Je l'ai rajouté à la liste des modes. Voilà, n'hésitez pas en description. Le feu est orange. Hein. Voilà, le feu n'est pas rouge, donc on se calme. Je l'ai ajouté donc à la liste des modes. Si vous voulez regarder en description, j'ai condensé ça directement dans un lien, tu vois, sur mon site mcolo.fr. C'est beaucoup plus simple pour ce qui est des modes. Comme ça bouge tout le temps, comme ça je mets à jour facilement. Donc si vous voulez voir la liste des modes, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et bien sûr, les DLC également en description. Et le track toujours en description, même si là, je ne l'utilise pas. Là, il faut que je continue tout droit, j'imagine. Et No Flare Light, ça permet de prendre les virages brusques, comme ce que je viens de faire. Non, No Flare Light, en gros, voilà, ça, les lumières d'en face ne sont pas dégueulasses, là, en mode... tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Ah! Non, excusez-moi, depuis tout à l'heure, je roule comme une bite parce que je vous explique, je regarde le GPS. Parce que du coup, là, ça y est, on découvre une nouvelle route. Je suis jamais passé par là encore. Beaucoup de frise, là. Beaucoup de frise. On voit la lune, on voit la lune et je parle pas de mes fesses. Incroyable. Je ne peux pas mettre les pleins phares depuis tout à l'heure pour la simple et bonne raison que plein de voitures me doublent. Eh les gars, il est 22h, vous n'êtes pas censé rouler là. Hein. Si je puis me permettre, il est censé y avoir personne là à 22h. Déjà, confinement. Ok. Hop là, on se prend la petite bosse. Eh ben les gars, je suis en panique là. Il y a combien de voitures? C'est un truc de taré. Bon voilà. On va se limiter tout simplement à notre bonne vitesse. Et c'est carré. Ok. Je suis vraiment... Eh les gars, je vous jure, pour le coup, je suis pas serein. Avec tous les véhicules qu'il y a là, je me sens tellement pas libre parce que je les vois pas très bien la nuit. Et dans ma tête, je me disais que la nuit, il y aurait moins de monde, tu vois. Mais que nenni en fait. Non mais quand il sera 23h, je pense qu'il y aura plus personne. Ou alors c'est vraiment particulier ici. Hein. Mais j'espère qu'on fera pas que de l'autoroute sur cette île parce que vraiment les petites routes ici, enfin du coup c'est une voie rapide, mais les petites routes qu'il y a sur cette île, c'est vraiment incroyable, vraiment trop bien. Et ça y est, je peux mettre les pleins phares. Ah, on voit quand même bien mieux. Oh là là, ça tourne, on va se calmer direct. On va éviter de faire de la merde. Voilà. On est très bien là. Par contre, je remarque que les feux arrière des voitures, on les voit pas bien. Pour ainsi dire, on les voit pas. C'est de la merde. Comment ça se fait? C'est à cause du mode No Flare Light, ça? C'est naze. Eh, putain, la route, elle est, je la trouve presque étroite. C'est très perturbant. Alors comme on voit pas très bien, regarde, je vois que ça freine, je sais pas pourquoi encore.
Ah, parce que c'est 70 ici. Alors on va se calmer. Là on vient de quitter l'autoroute, d'accord. Et là faut que j'aille à gauche ou à droite. Ça y est, je panique. Le GPS, parle-moi à l'avance, s'il te plaît. Je sais pas où je dois aller, je panique. Ah bah voilà, non mais c'est bon, il suffit juste que je continue par là, je pense. Ah là, on est bien là. On est de nouveau à 80, j'avais pas vu. Ok. Ah, je remets les pleins phares là, faut pas se foutre de ma gueule. Hein. S'ils sont pas contents, ils mettent leur rétroviseur intérieur en mode nuit et puis c'est tout. Ah non, c'est bon quoi, il faut qu'on voit un petit peu quelque chose quand même. Pas déconner non plus. Voilà, là je retiens ce que vous m'avez dit, hein, que souvent vous êtes à 90 km/h au lieu de 80. Donc j'en profite les gars pour des petits moments de folie. En espérant ne pas se prendre une nouvelle amende, parce que quand même, ça commence à faire saler là. Hein. Ça commence à faire saler. Donc voilà, alors les frérots, vraiment, là, prochaine objectif. Bon, du coup, je suis un peu dans le mal, parce que du coup, on vient de claquer tout mon pognon pour le garage. Mais parce que là, j'ai deux nouveaux... Enfin, de nouveaux... J'ai deux objectifs là, vraiment. C'est recruter un maximum d'employés, tout simplement. Voilà, pour faire tourner encore mieux l'entreprise. Parce qu'il faut que je rembourse aussi mes dettes et puis que voilà, on est là pour se mettre bien. Mais j'aimerais aussi, donc voilà, ça c'est vraiment pour la continuité du plaisir, customiser mon camion personnel. Voilà, vraiment le customiser à fond, ajouter des nouveaux trucs, etc. Parce que bah voilà, on peut vraiment se faire plaisir, améliorer le moteur, améliorer tout ça, tout ça. Donc voilà, et ça demande beaucoup d'argent. Et là, on a tout claqué là-dessus. Donc voilà, peut-être même acheter un nouveau camion, voilà, un nouveau camion personnel, j'entends. Donc voilà, tout ça, ça reste à voir. Écoutez, il n'y a personne derrière. On est à 90, on fait chier personne. On reste prudent, mais on va le doubler. Voilà. Très bien. Bon, cette route, apparemment, j'ai déjà emprunté. Ça me dit rien non plus. Voilà. Bon, là, je suis à 100 km/h, donc... on va quand même... essayer de se calmer. Pas non plus un danger public. Hop. Et on se rabat. Nickel. Et on met le régulateur à 90. Et s'il y a un radar, on freine. Voilà tout. Oh pardon. Désolé pour les pleins phares, monsieur. Voilà. J'aime bien rouler de nuit, mais alors là... c'est pas très rassurant. Là pour le coup ça me fait un peu peur. Il nous reste... ok, prochaine coupure dans 8 heures, ok. C'est bon. C'est juste ça que je voulais vérifier. Donc bah pardon. En vrai je pense qu'on aura même pas besoin de faire de coupure tout court. Parce que à chaque fois qu'on va prendre le bateau, ça va nous compter comme coupure. Donc on devrait pas trop se soucier à ce niveau là. Ça devrait vraiment aller. Ah ouais, je voulais parler de ça aussi les amis. Comme sujet de vidéo, c'est tout bête. Et c'est vraiment con. Vous allez trouver ça très pertinent. Je me suis demandé, mais les gars, comment ça se fait? Comment on fait pour autant kiffer? Genre, j'arrive pas à nous comprendre, vraiment. Comment on fait pour kiffer les jeux de simulation? Genre, comment ça se fait que moi, là, je kiffe? C'est vraiment une... vraiment, je me suis posé cette question. Comment ça se fait que je kiffe rouler avec mon G27 sur un faux camion, genre sur un simulateur de camion comme ça? Comment ça se fait que je kiffe ça? Vraiment, je me suis posé cette question parce que bah voilà, je trouve ça pertinent comme question. Genre, je suis pas dans le milieu du camion. Alors bon, moi après, ouais, ok, je suis passionné par le milieu de la route, ok, d'accord, voilà. Bon, à ce niveau là voilà, j'adore rouler dans la vraie vie, j'adore être sur la route, ok. Mais de là à se faire chier sur l'autoroute dans les bouchons, etc., comment ça se fait que nous on kiffe ça? Alors voilà, il y a une majorité de gens qui jouent à Euro Truck qui sont eux-mêmes chauffeurs routiers. Il y en a qui veulent le devenir. Il y en a qui l'ont été. Et il y en a qui sont passionnés de camions. Oh putain, et à 1 km/h près, la police elle allait mettre une amende. Hein. Mais comment ça se fait vraiment, voilà, qu'on soit autant à fond dessus? Vraiment, je trouve ça incroyable. Et je n'ai pas la réponse. Mais visiblement, enfin, voilà, vous voyez, c'est un plaisir sincère, mine de rien. C'est ça ce qui est assez, assez marrant. Mais comment ça se fait? Voilà, c'est vraiment une question pertinente. Genre,
Après voilà, il y a tout pour plaire. Hein. Le jeu est beau, tu peux mettre des modes. Bon, tu vois. Et tu découvres tout le temps des trucs. Donc je voilà. Mais c'est vrai que c'est une question. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc là, on va marquer bien évidemment le stop. Alors, il n'y a aucune ligne. Hop, mais je marque quand même. Il n'y a pas de voiture là. Mais non, il n'y a pas de voiture. Si, il y a une voiture, c'est une blague. La voiture, elle sort de nulle part, gros. C'est pas grave, c'est une ambulance. Et les ambulanciers, ils sont gentils, ils nous laissent passer. Ok, donc là, on va tout droit. Pas du tout, on va à gauche. Pas du tout, on va à gauche. Alors attendez. Concentration maximale. Prenez la deuxième sortie. Personne. Donc là, je reste bien à l'extérieur. J'espère qu'il va pas me faire chier l'autre derrière. Voilà. Sortez, nickel. Ah bah on arrive au port là, j'ai vu sur le panneau Porto. Bah du coup je suis déçu parce que ça veut dire qu'on va déjà être au port. Mais du coup ça veut dire qu'on n'aura pas traversé toutes les routes que je voulais vraiment vous montrer qui sont géniales. Là vraiment on a juste pris l'autoroute, c'est dommage. Ok, le feu il ne fonctionne pas. J'aime bien les feux qui clignotent à l'orange comme ça. Allez, tout droit. Peut te faire plaisir. Par contre attention quand même. Ouais. Je trouve qu'ils éclairent pas de ouf les panneaux, hein, si je puis me permettre. Pas pour faire le requin, mais quand même. Hein. Allez, direction Caligari, Porto, voilà, Porto. Porto Rico. Arriba. Ouais, frère, là, c'est limité à 40 km/h. Abusez pas. Hein. Abusez pas, s'il vous plaît. Hein. Vraiment. Hein. Là, dans le virage, faire attention, je comprends. Hop, mais tout le reste limité à 40 là vraiment faut pas se foutre de ma gueule. Hein. Wow, on voit des étoiles, c'est beau. Le mec il se fascine pour si peu. Oh, des étoiles. Bon bah là les gars, on va se faire chier hein, derrière le camion. Hein. Voilà. Bah j'espère que vous allez bien là. Franchement, on kiffe notre vie là. On kiffe. Et là par contre on peut rouler à 80, c'est vraiment... Mais c'est débile quoi. Pourquoi là on pourrait rouler à 80? Puis tourner à droite. Ouais, on va faire ça. On va faire ça monsieur. Hop. Pareil, le feu il fonctionne pas. Trop bien. Personne. Bonsoir, alors là, un petit dodan. Là les gars, eh, tranquille. Hop. Eh, vous avez vu comme ça secoue déjà là alors que j'ai fait tout doucement. Ah, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Hein. On transporte quoi de nouveau? Ah, du béton. Ah, mais c'est pour ça. En fait, on est tellement lourd. Hop. Direction le bistrot. Le bateau, pardon. Oh, je me suis trompé. Hop. Et là, pareil. Là, cette fois-ci, on va faire très 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 doucement. Voilà. C'est ça que j'aime voir. Ça, ça me plaît. Voilà. Allez, on embarque les amis. Direction l'Italie. Et on est reparti les amis. On est à Palamero. Palamero. Je sais plus c'est quoi le nom. Et il est midi. Bientôt 13h. Et ça, c'est nickel. Et là les amis, ça y est. On va redécouvrir maintenant ensemble quelque chose. Puisque je ne suis encore jamais allé ici. Comme vous pouvez le constater. Oh non, il pleut. Oh, abusez pas les gars. Oh non, vous abusez. Hein. Hop. Ah bah du coup faut remettre les feux en fait hein. Ah c'est relou quand il pleut. Ça me déprime. Bon bah voilà, bienvenue. Bienvenue en Italie. Ça commence déjà par l'accueil de la pluie. Ça fait plaisir. Hop, bim badaboum. On tourne à gauche, il n'y a pas de soucis monsieur. À droite, ça m'a l'air bon, à gauche c'est tout bon. Ok, on a de la chance. J'aime quand on a de la chance. Bon après visiblement un mardi à 13h et sous la pluie, il n'y a pas grand monde qui squatte au port, je pense. Voilà. Et j'adore les feux rouges. J'adore. On a vraiment de la chance. Hop. C'est carré. C'est nickel.
Bon bah voilà, je suis sûr que je voulais dire quelque chose encore, mais j'ai complètement oublié. Oui, merci les gars aussi d'avoir rempli, pour ceux qui l'ont fait, le formulaire avec le sondage en fait pour les prochains concours. Ça m'aide énormément parce que vraiment là je sais plus ou moins ce que je vais vous faire gagner déjà. Donc voilà, là maintenant tranquille, j'économise sur Eneba pour voir un petit peu comment je vais organiser ça. Et puis voilà, tout simplement, je sais pas combien il y aura de gagnants, combien il y aura de jeux à gagner, combien peut-être de cartes cadeaux à gagner. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'essaie de me baser sur ce que vous me dites pour essayer de vous faire plaisir au maximum. Alors évidemment, il y a toujours quelques abonnés qui veulent par exemple des jeux. Qu'est-ce que tu me fais gros? Voilà. Qui veulent des jeux mais vraiment en minorité, donc forcément il y aura pas forcément tout le monde qui sera content, mais je ferai en sorte que la majorité soit content. Bah évidemment, après ça dépend des gagnants, puisque forcément ça dépendra. En fait, je pense que ça va se passer comme ça le concours. Je pense sincèrement que en gros je dirais voilà, il y a ça, 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 ça et ça à gagner. Voilà, donc comme ça, si maintenant ça vous intéresse pas, bah vous participez pas. Et si ça vous intéresse, et bah c'est bon, vous participez et puis Inch'Allah vous gagnez, tu vois. Donc voilà, je pense clairement qu'il y aura des cartes cadeaux Steam, il y aura du Euro Truck à gagner directement, je pense. Il y aura du... Parce que tu vois, c'est beaucoup plus rentable. Euro Truck, il est à 5€ sur Eneba. Il est à 20€ sur Steam, non, je sais pas à combien il est. Donc je vais pas offrir... Si maintenant ceux qui veulent Euro Truck, je vais pas offrir une carte cadeau de 20€, c'est... On se fait tous couillonner, tu vois. Autant, là, je peux vous offrir plusieurs jeux Euro Truck, par exemple, tu vois. Donc je pense qu'il y aura ça. Les comptes Minecraft, je pense pas qu'il y aura, pour le coup, parce que c'est pas spécialement réduit sur Eneba. Mais en tout cas, voilà, il y aura des cartes cadeaux Steam, ou du moins des cartes cadeaux. Il y aura aussi des cartes cadeaux Nintendo, je pense. Nintendo Shop. Et voilà, je sais plus c'était quoi qui était en tête, mais voilà, en fonction de ce que vous aviez répondu, c'est ça que je vous offrirai les gars. Et voilà, j'espère que ça vous fera vraiment plaisir. Donc voilà, on peut enfin rouler à 50. C'est super sympa ici hein. C'est super sympa, j'aime trop, Vous m'avez demandé si j'allais prendre la route de la mort et vous m'aviez dit le nom de la ville ou je sais pas quoi. Je connaissais même pas, donc c'est bien que vous me le dites. Je connaissais pas du tout cet endroit. Ok, la voiture derrière me laisse passer. Merci monsieur, c'est gentil. Mais est-ce que les chauffeurs camions disent merci aux voitures avec le clignotant droite, gauche, droite? Ah, je vais quand même mettre les warnings pour le remercier. Ce que je me dis, c'est peut-être pas le même code. Entre routiers, vous comprenez, mais quand t'es en voiture, tu comprends pas spécialement. Quand tu vois le droite, gauche, droite, gauche, tu dis mais il est fada, il s'est trompé de clignot ou quoi? Allez. Niveau essence, on est bien aussi là en vrai. Hein. Et là, voilà, et franchement... qu'est-ce que je fais là? C'est un truc de taré. Ah ok, je me suis trompé. Attendez, vous inquiétez pas. En fait, j'ai tellement de boutons à appuyer, les gars. Je suis perdu. Oui, donc il nous reste plus que 5h57 de route. Donc ça, c'est cool. On a pris le bateau. Ça nous a enlevé des heures et des heures. Hein. Ça, c'est incroyable. Et le temps restant, il nous reste 26h. Sachant qu'on n'aura pas de coupure à faire. Et ça, c'est génial. Ça, c'est fantastique. Ok, il y a un radar. Je m'en fous. Je suis à la bonne vitesse, mon pote. Il est où le radar là? C'est ça? C'est ça le radar? Mais non. Bah je l'ai pas vu. Il était bien caché. Franchement je sais pas du tout où il était. C'est peut-être ça hein. A mon avis ça doit être ça. Bon j'arrive plus à accélérer les gars. Bon c'est bon là le radar? C'est pénible. Excusez-moi pour vos oreilles hein. C'est vrai que c'est pénible. Ce serait bien si on pouvait customiser le son du truc. Mais on peut pas. On peut pas, il faut peut-être pas non plus abuser des bonnes choses je pense. Ça y est, il a arrêté de pleuvoir. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool. Alors. Oui monsieur. Y a pas de souci. Je peux enlever mes feux. Le mec il fait tout dans un rond-point, tu sais, genre vraiment normalement tu fais pas ça. Hop. Et voilà. Ce jeu est super beau. Voilà, je voulais encore réaliser ça. Mais ce jeu est vraiment très joli. Allez, on est reparti maintenant. On va enfin pouvoir rouler. Rouler, rouler. Ouais, j'avais dit niveau essence, on est bon. Hein. Je suis un peu parano. J'aime bien quand même revérifier certains trucs. Alors là. Alors là, mon pote.
Il y a du ralentissement. Eh ben les frérots, pourquoi vous ralentissez? Alors on va juste ouvrir la fenêtre et la fermer parce que avec les gouttes d'eau ça me dérange. Voilà. C'est trop bien fait. C'est vraiment trop bien fait. Genre il y a vraiment la démarcation et tout, c'est incroyable, ça me fascine. Ce jeu me fascine les gars, de jour en jour il me fascine. Eh ben ouais les gars, moi je suis un bouffe qui bouffe du pâté en croûte. Ça me flingue. A chaque fois je pense à ce commentaire des fois quand je fais des vidéos sur Euro Truck. Ça me fait marrer. Y'a pas de policiers j'espère. J'ai du mal à reconnaître les voitures de police dans ce pays. Enfin dans ce pays. Mais c'est un pays ou c'est en fait je sais pas. Ah mais non mais on est en Italie pardon. Yo, j'avais oublié qu'on était en Italie. Là vous allez me prendre pour un con. Mais c'est un pays l'Italie. Non en fait je parlais de la Sardaigne. Enfin l'île en dessous de la Corse. Je sais plus ou je sais pas en tout cas si c'est un pays, si ça appartient à... Ça appartient à l'Italie peut-être. En vrai. Je sais pas. Je vais fermer ma bouche. Et puis voilà, hein, tout simplement. Y a pas de mal à fermer sa bouche un petit peu de temps en temps. Ah, un péage. J'adore les péages en Italie. Hop. Nickel, Joël. Télépasse. C'est bon, je suis sur la bonne voie là. Excusez-moi, des fois je glisse mon pied et je fais des freinages un peu brutaux. Ah, ça c'est des vrais péages, ça se détecte. Ça te détecte direct. Ça c'est bon ça. Nickel. Nickel, nickel. Donc voilà, à la fin de ce trajet, donc comme promis, je vous montrerai toutes les routes que j'ai découvertes en off. On fera un point de nouveau sur le pognon qu'on a en fait. Et si on peut peut-être faire... Alors pas, on fera pas de customisation, j'ai pas assez, ça sert à rien. Mais voir si on peut... Bon, on verra. On verra d'ailleurs si on rembourse à la banque tout d'un coup peut-être. Je ne sais pas. Ça peut être une bonne idée de tout rembourser si j'ai assez. On verra ce qu'on... On verra. En fait, on va simplement réfléchir business à la fin de ce trajet, comme d'habitude. J'espère que ça vous plaît. C'est ça qui m'avait poussé aussi, j'aimais beaucoup, qui m'avait poussé à faire une série sur le jeu, à tout recommencer à zéro en mode legit, donc sans cheat, etc. Parce que bah, y avait ce côté business que j'aimais bien, ce côté en fait où voilà, faut faire attention aux infractions de la circulation, essayer de gratter un maximum d'argent, etc. Voilà, c'est un petit peu mon côté... mon petit côté escroc qui ressort, mais non, voilà. Je voulais vraiment revivre, enfin, ouais, faire ça en fait en vidéo tout simplement. Je pense que c'est une bonne idée. J'espère que j'ai pas de flic derrière parce que sinon je suis vraiment dans le mal. Voilà, là je réduis un peu ma vitesse tranquille. Et le régulateur. Et bah, je crois que j'ai. Ah non, j'ai rien dit. Je vois des policiers partout, hein. Niveau parano, niveau confiance, on est environ à 100%. Voilà. Et là on découvre, on passe sous un pont et tout. Super mignon, super sympa, c'est incroyable, j'adore les ponts. On a une petite vue là, sur la mer, bien sûr, l'océan. L'océan, c'est pas du tout... Non, c'est la mer Méditerranée en fait. Pas du tout, non, pardon, c'est pas la mer Méditerranée ce qu'on voit. Hein. Voilà, je sais pas, c'est quoi, j'ai rien dit. Tu sais quoi, j'ai rien dit. Par contre, je suis en excès de vitesse depuis tout à l'heure parce que c'est un faux plat, ça fait que de descendre. Faire attention à ça. On va à Messina là. Hein. J'ai pas trop de conneries. Ouais, on va tout droit. Messina, villa. Oh, ça va être sympa. On va passer par une petite ville là. Ça va être bien sympa. On va essayer de découvrir s'il y a des points d'interrogation tant qu'on y est. Franchement, on en profite. Il nous reste 4 heures de route et on a énormément de temps devant nous pour rendre la cargaison. Donc, tranquille, on va en profiter. Hein. C'est des petites missions sympas, elles rapportent pas beaucoup je trouve. Franchement ça rapporte pas beaucoup. Mais au moins t'es là tu chill. Il y a d'autres missions forcément, putain ça te rapporte 80 000 et tout, c'est incroyable. Mais elles sont très très longues aussi. Hein. Elles sont très très longues. Je vous montrerai après ma progression justement, voilà. C'est ça aussi que je voulais vous montrer. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire que j'ai cheaté, donc comme ça vous verrez vraiment ma progression, les trajets que j'ai fait. Et trop cool quoi. Monsieur essaye de me doubler là, hein.
Vous êtes un petit coquin, monsieur, hein. Mais je ralentirai pas pour vous, hein. Ouais, il va vite quand même, hein, le petit salaud. Ah, il respecte pas tous les limitations, hein. Petit filou, va. C'est quoi? Logistics and Agriculture. Pour ceux qui connaissent Alter, c'est ça? Alter. Et j'emmène. Oh là, le péage. Oh, je l'ai pas vu. J'étais tellement concentré sur... sur la remorque. Ah, mais il a l'air pressé, hein. Il est vraiment sur la voie de gauche et tout. Il a pas le time, hein. Les péages en Italie, c'est... c'est une dinguerie. J'ai failli me prendre le... ouais, vous l'avez tous vu. Là, par contre, je vais me faire prendre en sandwich. Donc voilà, tranquille, j'ai personne à droite. Voilà, là, ça s'appelle un sandwich, les gars. Donc, jambon beurre... bah, c'est comme vous voulez, vraiment, c'est comme vous voulez. On est vraiment... là, et là, les gars, on est la patrouille de France. Là, on est vraiment... c'est la patrouille de France. Puis il y a encore des camions derrière, en plus. Là, on est en formation. En, comment on dit? Parce qu'on dit en vol de formation. Donc là, c'est en conduite. En route de formation. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est tellement fun. Là, manquerait plus qu'on klaxonne. Avec des grosses trompes et tout. Et on est nickel. Ouais, c'est méga dangereux. Tu sais quoi? On va faire ça RP. Je vais me calmer. Et je vais le laisser se rabattre. Je pense qu'il veut se rabattre, non? Autant faire ça intelligemment. Regarde. Et là, je lui fais un petit appel de phare. Dont il en a rien à branler. Et voilà. Ça, les gars, M. Colo le routier. Et là, il manquerait plus qu'il me fasse un petit droite, gauche, droite. Non, 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 il veut juste que je lui rentre dedans, en fait. Ah, ok. Tiens, tout ça. Oh là là, la police banalisée, c'est. Oh là là, les backeux, quoi. Les backeux, mon pote. Allez, on sort à droite, on s'arrache. On se casse. Bim badabim bim badaboum. Non, par contre, niveau essence, si, ça devrait le faire. Non, parce que je dis ça parce que je vois que ça baisse depuis tout à l'heure, mais tranquille. Wow, regardez les petites maisons là. Bon, l'architecture elle est vraiment similaire à ce qu'on voit par exemple en Corse et à Marseille dans le jeu. Alors, est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie? Je sais pas, je connais pas, tu vois. Mais voilà. Oui, bah on peut rouler à 60 km/h, on peut se le permettre. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est génial. J'adore. Appreciate. Messina, bienvenue à Messina, les gars. Le feu est vert, on en profite. Allez, tout droit. Voilà. C'est trop stylé. Là, je comprends pas ce qu'il faut faire, là. Elle va nous faire faire tout un... ah non, c'est de la convient, ok, d'accord. Non, je me disais, il va nous faire faire passer au-dessus, mais en fait, c'est de la convient, donc... je n'ai rien dit. Non, on passe sous un pont et tout, mais c'est génial. C'est juste magnifique. Allez, venez, on va faire chez tout le monde. On va faire la course. Messine découverte. Yes, mon pote. C'est ça qu'on veut voir. Allez, on fait la course, mec. T'es prêt, gros? Sachant que je vois pas le feu, donc t'auras de l'avance. Il a l'air d'avancer. Pas du tout. Ah, ça y est, je vois le feu, là. Allez, t'es prêt? C'est parti. Oh non, bah ouais, mais t'as un temps d'avance. Allez. Allez, c'est déjà moi qui gagne, regarde. Regarde la patate que j'ai. Alors? Grosse... nul. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'ai gagné. Eh ouais, mon pote. Et hop, je me rabats sur ta gueule. Ah oui, parce qu'après... ah bah non, il faut que je reste à gauche. Excusez-moi, je suis un tocard. Ah, on fait les kekos. Monsieur, vous avez grillé le feu, là. Hein. Ah oui, bah voilà. Bah, très bien, il s'en bat les couilles. Oh, il m'a redoublé, le salaud. Ah non, mais je le connais, hein, c'est Régis, hein, les gars, hein, calmez-vous. Hein. Moi, je fais pas ça à des inconnus, quand même. Tenez la gauche. Hyundai. Tenez à gauche. Oh là, ça va partir sur un bouchon ou pas, là? Non, j'ai la flemme des bouchons, là. J'ai vraiment la flemme. Tu veux t'engager, gros? Engage-toi. Hein. Oh, mais ça va, il y a deux voies. Voilà. Oh, j'aime pas ça, ça me fait peur. Oh. Ah, je l'ai vu au bon moment. Hein. J'ai eu de la chance. Bon. Ouais, mais à chaque fois, il me cache la vue, là. On fait comment pour voir le feu? Voilà. Non, je le vois pas. C'est stressant de pas voir le feu. Voilà. Ça me stresse. Ok. Ah non, si on peut éviter de se prendre des amendes, c'est toujours sympa, quoi. Ouais, viens même pas nous passer devant toi. Hein.
Tu sais pas qui on est nous hein. Tu sais pas qui on est. Si le feu passe au rouge là, eh ben je m'en bats les steaks. Voilà. Et là il faut faire quoi là? Nickel. Hop. Nickel. Ah, on va reprendre le bateau là? Ah, je savais même pas qu'on reprenait le bateau. Genre, je savais même pas qu'on reprenait le bateau. Mais à quel moment on reprend le bateau, les gars? Oula. Mais on fait combien de traversées? C'est un truc de fou. Moi dans ma tête, ça y est, c'était fini là, tu vois. Genre après là, on serait arrivé et tout. On a même pas découvert de point d'interrogation. Hop. Boum, 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 boum. Mais attends, mais je comprends pas. On est en Italie là ou quoi? Attendez, les gars, je comprends pas là. Il faut qu'on regarde là. Là, je comprends pas. Si je regarde la carte. Suivez la carte. Bah ouais, on est en Italie. Oh, t'es sérieux? Genre, il faut traverser. What the fuck? Ils nous font faire traverser ça? Allez, on est reparti. Donc, je sais pas où on est. Voilà, je suis perdu, les gars. On est en Italie, ça c'est sûr. Allez, on est reparti pour la dernière. 2h30 de route. On est très très bien. Mine de rien, le trajet est long quand même. Hein. Et ça nous rapporte pas énormément. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Voilà. Par contre, ah oui, il faut rouler là. Hein. Excusez-moi. Je me disais bien que j'étais en contresens, les gars. Hop. Pourquoi j'ai mes lumières allumées là? Ah non, j'ai rien dit. Et voilà, oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Oh, il y a trop de miniatures possibles. C'est méga stressant. On peut faire tellement de screenshots. Mais ça prend trop de temps à chaque fois, c'est dommage. Hop. Carré. Ok, le petit stop des familles. Il a l'air très inquiet ce camion. Schnellclash, logistique. Allez. Oh, c'est trop stylé. Mais ça ressemble beaucoup à Marseille en vrai. Genre comment ils ont foutu ça? Vous pouvez pas? On va faire ça, monsieur. Ouais, c'est tout ensoleillé, ça fait du bien. On a quand même commencé la vidéo sous la pluie. On va la terminer au soleil, les gars. Parce que c'est beau. Parce que c'est beau. Yup. Oh là là, les trajectoires de beau gosse. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Oh là, pardon, excusez-moi, là, un peu moins convaincu de ce que je viens de faire, mais c'est passé, c'est l'essentiel. Comment ça, c'est limité 40? Arrête tes conneries. Ça devrait pas être 40 ici, les gars, abusez pas. Abusez pas des bonnes choses. Ah, mais parce qu'on était encore en ville. Non, ils sont bas les steaks, on est encore à 40. Voilà. 70, c'est bon, on peut rouler. Quel plaisir. Quel bonheur. Toute route. Il y a des oiseaux qui volent, c'est génial. J'espère que vous aimez bien les road trips avec moi, les frérots. Hein. En vrai, les premiers épisodes, fallait peut-être pas monter à bord de mon camion, mais là, ça commence à aller, là. Oh, on va se faire une insertion. Par contre, il y a beaucoup de voitures. Ça, ça me fait paniquer, par contre. Oh. Ok, les gars. Tout va bien. Mais là, l'avantage, voilà. L'avantage, c'est que t'as le temps de t'insérer, tu vois. Genre, même, t'es pas obligé de t'insérer si tu ressors, là, mais... Genre, t'as le temps de t'insérer. Sur Eurotruck, les insertions en France, elles sont beaucoup trop courtes, je trouve. Voilà. Petite analyse. Et hop, le régu à 90. Très bien. Waouh, on va passer sous un pont. Bâtiment juste au-dessus.
Bon, vous l'aurez compris, je vérifie toujours s'il n'y a pas de policiers dans le coin. Hein, parce que c'est pas que je suis en infraction, mais un peu. Mais ça va, regardez, c'est de l'infraction tranquille, je suis à 90 quoi. Vraiment bien le radar détecteur. Hein. Ah, je suis content d'avoir installé Waze. Ah là là, je viens de... Mais je sais pas où il était le radar, je ne l'ai pas vu. Hein. Pareil, hein, je l'ai pas vu. Ah bah il y en a un autre. Ça doit être en sortie de pont et en entrée de pont. Je sais pas où il est. Il est caché. Hein. Il était caché. Mais voilà, eh. Hey. Alors, on est nouveau à 80, nickel, tout va bien les gars. Il faudrait faire la même chose quand il y a des voitures de police, tu vois, que ça nous détecte. Mais bon, évidemment, restons réalistes tout de même. Oui, bah non, ça ne peut pas exister, on est d'accord. Ça n'existe pas dans la vraie vie. T'imagines ? Ah si, tu peux signaler aux autres quand t'as vu des policiers, mais... C'est pas bien d'ailleurs, les gars. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas d'appel de phare quand vous voyez... Je sais que c'est tentant, je sais que... Ben, quand on te fait signe, t'es content. Mais en vrai, ne le faites pas, les gars, s'il vous plaît. Vraiment, arrêtez de faire des appels de phare pour dire « Hey, pep, là-bas, il y a un contrôle de gendarmerie. » Parce que putain, les gars, il suffit juste que le mec que vous croisez, c'est le gars qui allait cambrioler votre maison. Ou qui a, je sais pas, bref. Tu m'as compris? Eh ben, il a juste à faire demi-tour ou à passer par un autre chemin. Et du coup, t'auras aidé le gars qui t'a volé. ou qui a fait bien pire. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc arrêtez de faire ça, vraiment. Moi, en plus, c'est ça ce qui est énervant. C'est que vraiment, autant j'ai rien à me reprocher, autant j'adore la gendarmerie, autant machin, etc. Mais autant c'est vrai, et on va pas s'en cacher, on se fait quand même des fois des petits plaisirs sur la route. On fait attention. Mais on se fait des petits plaisirs, tu vois. Et c'est vrai que quand tu reçois un petit coup d'appel de phare, tu sais que, attention, là par contre, fais pas le con sur cette route là, sur cette ligne droite, parce que bah, sinon tu risques de plus avoir de permis. Et alors c'est cool, t'es content, mais de l'autre côté, bah, je suis pas content quand on me fait les appels de phare, parce que je me dis, ok, bah, je sais que là-bas il y a les gendarmes. Donc si j'avais quelque chose à me reprocher, j'ai juste à faire demi-tour. Et je trouve ça vraiment mais naze. Vraiment, et méga dangereux. Là, en temps de confinement, je trouve ça naze, parce que du coup, si tu veux frauder et qu'on te fait des appels de phare, etc., bah, tu peux réussir à frauder. Mais c'est surtout par rapport si maintenant tu fais quelque chose de grave et tout, et que t'es, tu vois. Là, par contre, là, c'est vraiment très dangereux et c'est pénible. Mais ça changera pas. Les gens continueront toujours à faire ça parce que c'est une mentalité. C'est une mentalité qui, d'un côté, est sympa, je trouve, parce que ça veut dire qu'on est encore plus ou moins soudés. Je me comprends, mais on est encore plus ou moins. Il y a encore plus ou moins du contact. Genre, tu vois, genre les gens se disent de moins en moins bonjour, mais les gens continuent quand même un petit peu à se dire, voilà, on continue un peu à se serrer la main, tu vois ce que je veux dire. Bon, même si du coup, dans l'idée, c'est naze. Voilà, moi, vous savez, j'aime beaucoup les relations humaines. Donc moi, les gars, j'ai fait économique et social quand j'étais au lycée, j'étais passionné par le social. Frère, par exemple, lui, tu vois, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait de sa vie pour être aussi lent, quoi. Enfin, je sais que c'est 40 km/h, mais à un moment donné, frère, t'as vu ta voiture, tu commences à me casser les couilles, là. Vraiment. Ouais, et puis il va au même endroit que moi. Hop. Ah, je suis mort. Et ben voilà, dernière destination. Là-bas, il y a un aéroport à droite. Voilà, super bon à savoir. Nous, on va à notre dernière ligne droite. On est arrivé là plus que quelques instants avant d'arriver à destination. Et ça nous fera encore une vidéo d'une heure. Les amis, j'espère que ça vous plaît. Je crois que oui. Mais les vidéos d'une heure comme ça, franchement, c'était pas prévu que... Toutes ces dernières vidéos durent aussi longtemps. Franchement, je pensais pas. Mais voilà, ça fait le plaisir. Donc j'espère que ça vous plaît. Quand je vois que vous voyez quand même les épisodes, bah voilà, quand je vous avais demandé de mettre en commentaire un petit hashtag pour voir qui d'entre vous regardait jusqu'au bout, et bah ça me fait plaisir. Les gars, si vous êtes encore sur cette vidéo, mettez en commentaire, comme lundi, vous mettez en commentaire hashtag radar. Là, ah c'était ça le radar en fait, ok. Je pense c'était la petite cabine là. Je pense. Ouais, mettez en commentaire hashtag radar. Voilà, si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, ce sera hashtag radar. Oui, on a compris monsieur. Et on est à Cantazaro. Oh, c'est super beau. C'est méga beau. Alors là, il va falloir que je décale. Bah la voiture derrière m'a déjà laissé passer avant même que je mette le clignot. Du génie mec. Et voilà, bienvenue à Cantazaro. Oh, c'est trop bien. J'adore. J'adore ce jeu, les gars. J'adore. Chatter Chevalite.
Hop. Sortez maintenant. Centro. Direction le centre. Oh, le centre. Pardon. Allez, on est arrivé. On est arrivé, mon pote. Ouais, je suis allé un petit peu vite, ouais. Ok, on arrive dans le chantier. Alors là, mon pote. Oh, il n'y a pas de manœuvre à faire, j'adore. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Enfin, il n'y a pas de manœuvre à faire, on s'est compris. Bonjour, monsieur, vous faites caca, vous faites une pause. Regardez comme ça bouge dans tous les sens, c'est trop bien fait. Merde, j'ai pris trop large. Pas grave. Bon, au moins, la remorque, elle sera bien droite. Ça, c'est clair. Nickel. Hop. On est bon, là. Chef. Allô. Non, c'est une blague. Arrête, gros. Non, t'abuses. Oh non, mais non, même pour ça, j'ai pas de chance. Oh, j'ai un manque de peau, les gars. C'est impressionnant. Non, mais vrai. Y a aucune manœuvre à faire, les gars. Et j'arrive quand même. J'arrive quand même à cette situation. Non, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte de ouf. Allez, c'est carré. Vous êtes gentil en commentaire, vous m'aviez dit vas-y stresse pas, prends ton temps quand tu fais les manœuvres, y'a pas de soucis, tu vas y arriver et tout. Ça me fait plaisir, merci les frérots. Ça y est, on est arrivé et on n'a pas gagné beaucoup d'argent mais c'est pas grave. D'ailleurs je me suis attribué des nouveaux points de compétences, je vous montrerai tout après. Ne vous inquiétez pas, on continue et on est tout bon, on est niveau 24, ça fait plaisir. Voilà, bienvenue sur le menu, donc on a 56 000 euros. Voilà mes aptitudes, je vous montre, en gros je me suis attribué voilà tous les produits dangereux, ça y est je me suis tout donné, donc il me reste plus que longue distance, marchandises fragiles et éco-conduite et livraison juste à temps encore à avoir. Du coup niveau progression, résumé progression, comme ça vous voyez, donc là on a fait ça aujourd'hui, d'accord, les blocs de marbre. La dernière vidéo il me semble on avait fait un truc genre 80 000 euros, c'est ça? Donc ouais j'ai tellement roulé entre temps. Ah non c'est ça, c'est ça qu'on a fait, non, Toulouse-Hernin. Non, on était Bayonne. Ouais, c'était ça qu'on a fait, les gars. Bayonne-Birmingham, parce que du coup, on était passé par Londres. Il me semble que c'est ça qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc, entre-temps, j'ai fait ça. Des vaccins de Toulouse à Hernin, 80 000 euros. Du poisson pané de Naples à Ionina, 6 000 euros. Olbia-Lyon, 10 000 euros. Et des vaccins à 11 000 entre Stockholm et Gävle. Et du coup, pour vous montrer, carte du monde, tout ce que j'ai découvert. Donc là voilà c'est ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Ça du coup je suis toujours à Birmingham avec mon vrai camion. Et donc c'est là où que ça s'est passé. Donc ici Gävle, Jönköping. Voilà j'ai découvert ici en haut. C'était bien sympa aussi. J'ai fait un très grand trajet ici jusqu'à Hernin. Ce que je vous ai dit juste avant. En passant par Hambourg vite fait. Qu'est-ce que j'ai découvert Naples, Bari, je sais pas si ça avait été fait en vidéo. J'ai découvert ici très rapidement. Bah tu vois j'ai même pas vu les points d'interrogation. Donc Ionina donc c'est vraiment c'est où, c'est dans quel pays, je ne sais pas. Je suis un peu nul. Et voilà globalement pour ce que j'ai découvert. Donc vous avez vu là j'ai fait plusieurs routes un peu. Et les routes là étaient incroyables. Alors nous on a fait quoi aujourd'hui? Nous on a fait tout ça la voie rapide. Moi ce que j'ai fait c'est cette petite route là en off. Celle là aussi, non ça c'est une voie rapide. En fait ça c'est cette petite route là était incroyable. Et après j'avais enchaîné en Corse avec des petites routes aussi là qui était incroyable. Bah ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui là avec ce rond-point. Si je dis pas de je dis de la merde. Mais bref, c'était. Il y a pas beaucoup de routes en vrai, hein. Mais elles sont incroyables en fait. Il y a pas beaucoup de routes là, mais elles sont incroyables. Ça fait trop plaisir. Ok, donc ça c'est bon. Pour voir un peu. Donc ça y est, maintenant gestion garage. On a 3 garages. Ça c'est cool. La Rochelle. Profit journalier 36 000. Ok, donc je gagne 36 000 par jour. Ok, sans rien faire moi. Ah si, si, parce que je fais partie des trucs. Ok, ma banque, elle est où la banque? Hop, tac. Si je rembourse tout, j'ai 4000 par... Ah ouais, non, mais non. Au total, j'ai 100 000, donc j'ai même pas assez. Je peux même pas tout rembourser. Vous savez ce qu'on va faire? On va tout rembourser le plus relou, si c'est possible, à savoir les 59 000. Bah non, bah, j'ai même pas assez, en fait. J'ai même pas assez pour rembourser ça. Non mais on va pas, on va continuer de se faire débiter tranquille, ok. Y a pas de problème, on va continuer comme ça. La customisation camion, ce sera pas pour tout de suite. J'ai même pas assez pour acheter un nouveau camion pour recruter un nouvel employé. Autrement dit, là on est bien dans la merde. En fait là on est bien dans la merde. Là on est bien dans la merde les frérots, non non. Mais du coup voilà, je vais continuer en off à rouler parce que je prends du plaisir. Je vais me faire masse pognon avec des grosses missions à 80 000 euros, même plus si c'est possible, ok.
Et voilà, tout simplement, je vais continuer comme ça. Semaine prochaine, peut-être des lives sur Truckers MP, je vous promets rien, ok? Mais si jamais, je le ferai, mais je vous promets rien. Franchement, m'engueulez pas, me mettez pas la pression. Enfin, je dis ça vraiment à la petite minorité qui aime bien un peu me mettre la pression, parce que voilà. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire comme ça me plaît. Je veux pas me dégoûter du truc, vous avez vu comment je suis à fond. Donc voilà les frérots, n'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci à tous de me suivre et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, des bisous. Ciao tout le monde.